can't believe the Sodom sign of Luke. Is he promising? Then what teachings? Essayez de répondre vite. 30 secondes. Non pas, parce qu'on va te donner l'exposé. On pourra toujours revenir sur beaucoup on de questions. On va revenir prochainement. Pasteur Joseph, yes. Croyez-vous à la plénitude divine en la personne de William Marion Branham? Ah, mais est-ce que je veux croire encore deux fois? Est-ce que c'est moi qui crois ou bien c'est le... Mais tout ce que j'ai lu, si tu n'as pas écouté... Non, nous avons écouté, pasteur. Vous êtes devant des gens. Vous avez déjà donné des explications. Ce sont des petites questions, pasteur. We are running out of time, révérend. La question est simple. Croyez-vous à la plénitude en la personne de William Marion Branham? Ok, écoute, j'ai lu le prophète. J'avais entendu parler. Maintenant, je vois, j'ai vu, je suis au paragraphe 182, j'ai lu. Dans la Bible, vous avez entendu parler de ce qu'il a fait, de la femme qui avait touché son vêtement. Il s'est retourné et lui a dit quel était son problème et que sa foi l'avait guéri. Maintenant, il a promis qu'il ferait de nouveau cette même chose, juste avant que le monde soit brûlé et que le monde serait alors dans un état comme celui de Sodome. Point. Le Nouveau Testament, le prophète Dieu, les dieux des prophètes, le Dieu de tous les prophètes, la plénitude de la divinité corporellement. Dieu, .. manifesté dans une chair. Le créateur de la Genèse. Alléluia. C'est sa parole à lui. C'est lui qui a dit que cela arriverait. Alors, qu'est-ce qui devait arriver aujourd'hui? Le prophète est Dieu, le Dieu de tous les prophètes, la plénitude de la divinité corporellement manifestée dans une chair. Il crie et dit, Alléluia, c'est sa parole. Il avait promis, qui avait promis? Jésus, que cela arriverait, que cela arriverait. Il dit ceci, il termine mon idée, il dit, et nous voyons un état comme celui de Sodome. Nous voyons le monde dans cet état-là, et maintenant nous le voyons descendre et faire exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait. Maintenant, nous avons entendu parler de lui, maintenant nous le voyons. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Amen. Je le vois de mes propres yeux. Ça devrait être une heure prodigieuse. Ça devrait être un moment prodigieux, la confirmation de sa parole. Toujours, quand la parole est confirmée, c'est Dieu qui parle dans sa parole et qui se rende visible pour que vous puissiez voir ce qu'il a dit. Pasteur Joseph. Ce n'est pas à moi de répondre. Branham a dit. Vous avez lu la citation. C'est ça que je crois. Voilà. Je vais vous reposer. Je vais vous reposer encore la même question. Yes, sir. Essayez un peu de répondre. Vous avez déjà donné des citations. Ça, ce sont des questions. Non. Ça, c'est la citation. Voilà. Que je réponds. Vous avez déjà donné des citations. Maintenant, ce sont des réponses courtes et claires. Pasteur Joseph, croyez-vous que la plénitude de la divinité est en William Marion Branham? Je ne crois pas que la plénitude de la divinité est en William Branham, mais William Branham a dit que la plénitude de la divinité devait venir aujourd'hui être manifestée dans une chair humaine. Ok, mais comme c'est une chair humaine. Non. Mais attends, je réponds. J'ai dit, comme Branham a dit qu'il devait venir
aujourd'hui et être dans sa plénitude, dans une chair humaine, je dis amen, et je sais que cette chair-là, ce n'est pas la chair de mon grand-père au village, mais c'est la chair de William Branham. Donc, vous confirmez ce matin que la plénitude de la divinité... Ce n'est pas moi qui confirme la parole. Vous donnez la responsabilité à William Marion Branham. Mais je comprends. Vous êtes là devant des gens. Pasteur Joseph, je vous repose encore la même question. Non, je réponds avec le prophète. Vous répondez avec les citations. Donc, pouvons-nous dire, Pasteur Joseph croit que la plénitude de la divinité est en la personne de William Branham. Ce n'est pas moi qui ai dit, je ne suis pas responsable. Les gens, nous avons compris. Je crois ce que le prophète a dit. Pasteur Joseph, évoluons à la seconde question. J'ai répondu, j'espère. J'ai compris la question. Ma position, non, c'est la position des Écritures. Non, ma position en ce genre de choses doit être claire. C'est que le prophète a dit que la chose arriverait. Je crois que la chose est arrivée ainsi. Dieu, dans la chair humaine, se manifestant pleinement et corporellement, exactement ce qu'il avait promis que cela arriverait, c'est arrivé. J'ai ma foi là-dedans. Voilà ce que Pasteur Joseph croit. Pasteur.